Comment faire des biscuits pour diabétiques? Entre 15 et 30 minutes difficulté faible et ingrédients. 650 g de farine, 250 g de beurre sans sel, 2 œufs, 1 cuillère à café ou 30 g de stevia, 1 cuillère à café d'extrait de vanille, en option. Une point quelques minutes avant de commencer à faire ces biscuits pour diabétiques. Nous vous recommandons de laisser hors du réfrigérateur aussi bien le beurre que les œufs. Ainsi ils seront beaucoup plus faciles à mélanger lors de l'élaboration. Une autre option est d'introduire quelques secondes, le beurre dans le micro-ondes pour qu'il ramollisse un peu. 2. Mettez le beurre dans un bol et battez jusqu'à obtenir une crème de texture homogène. C'est maintenant le moment d'ajouter la cuillère à café de stevia. Vous devez tenir compte du fait que cet édulcorant naturel est assez intense, il faudra donc l'ajouter petit à petit en goûtant si le degré de sucre est à votre goût. Mélangez les deux ingrédients jusqu'à ce que le mélange soit homogène. 3. Cassez les œufs et incorporez les œufs au bol du mélange beurre, stevia. Battez au fouet jusqu'à voir se former un mélange homogène. Et ce sera le moment d'ajouter l'extrait de vanille si vous souhaitez que vos biscuits aient un léger arôme. 4. Maintenant vous devez tamiser la farine et l'ajouter petit à petit au bol contenant le mélange préparé pour les biscuits. Mélangez de façon énergique pour que la farine fusionne avec les autres ingrédients et qu'il ne reste pas de grumeaux. 5. Une fois la pâte préparée, prenez-la, formez de petites boules, et écrasez-les légèrement pour créer les biscuits. Placez les biscuits sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et introduisez-la dans le four, lequel doit avoir préchauffé à une température de 180 degrés Celsius. Laissez cuire pendant environ 15 minutes et voilà. Vos délicieux biscuits pour diabétiques sont prêts.